Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elder Scrolls Online. Et nous sommes partis pour la nuit rampante, on va continuer. Il faut qu'on aille défoncer la Manticora progénitrice, voilà. Et ben, on est toujours à l'étoile du dragon au niveau de Rey de l'Orne et on commence à s'attaquer à tout le nord. Et ben c'est parti. Toujours dans la quête principale, hein. Continue les quêtes principales qui nous permettent d'avancer. Et puis on en fera mieux ce soir. Alors déjà. Voilà. Ok. C'est juste un truc. Tu vois, le problème c'est que si je les tue, ok, content de vous avoir connu, salut. Allez, dégagez, merci. Putain. Ah là. Je savais que je devais pas les tuer, mais l'envie était trop. Il faut tenter, il faut toujours, toujours tenter. Bon, allez, nuit rampante, hein. Tu vois, on va faire semblant de rien. On a rien vu, on a rien fait. J'aurais quand même vachement pris cher sur mes équipements. Hein. Attends, fourniture, nécessite, action. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Je peux faire réparer, par exemple, sur l'état de mes trucs. Oh, ça va, il faudra que je répare tout. Mais ça va me coûter... Oula, par contre, tes pieds. Réparer là, voilà, ça va me coûter une blinde de tout faire. Allez, ouh, l'image est très très belle, le nid du serpent. Alors, voyons ça. Qu'est-ce que ça va me dire, hein? C'est grand ou pas? Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, pas toujours, mais oui, il y a des fois que ça passe. Ok, il est de l'autre côté. Thank you.
Y a rien ici. Ah, sac à dos. Non. Putain, ils lâchent rien les mobs, hein. Ils sont vicieux, ils sont vicieux. Voilà, les trois, ça a été vite fait, bien fait. Donc le nid du serpent, il est fait. Parfait. Il est fait parfait. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que je loot absolument rien, quoi. Et ben le jeu il rame. Surtout pas par là. Allez, la Manticora progénitrice libère les prisonniers. Parfait. Tuez la progénitrice et ses soigneurs. Puis occupez-vous des prisonniers. Libérez les survivants. C'est dégueulasse. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est immonde. Je suis très heureux de ne pas être mort. Tant mieux. Par les trois. J'ai bien cru mourir. Par les trois, j'ai bien cru mourir. C'est la dernière fois que j'accepte l'invitation d'une mystérieuse étrangère. Merci de nous avoir libérés. Pas de soucis. Il voulait nous jeter dans ce bassin dégoûtant avec cette bête horrible. Mmh. Merci de nous avoir sauvés. Pas de quoi. Parce que... Ah, il est plus loin, cool. C'est pas fini encore. Montrez-vous, Régent Beauvoir. Le projet des Manticora touche à sa fin. Régente Cassipia, qu'est-ce que tout cela signifie? Surveillez votre langue, Régent. Votre abomination est morte. Abandonnez le serpent et rejoignez-moi. Abandonnez le serpent? Jamais! Très bien, Beauvoir. Rejoignez donc votre monstre en oblivion. Beauvoir ne m'a pas laissé le choix. Tout cela doit rester secret. Mais elle est où ? Revenez me parler une fois que les prisonniers seront libres. Elle est où ? Oh putain, il faut que je sorte. Oi, oi, oi. Mais les prisonniers sont libres.
Allez. Comment ça se fait qu'il prend que 6 XP à chaque fois là, pour chaque mob? C'est naze. Il prend que 6 XP Bastien, putain, je vais jamais y arriver à le faire monter niveau 20. Après je pense qu'à haut niveau il peut vraiment y arriver. Hein. Je pense qu'il peut vraiment faire des bons petits trucs, hein, mais. Toutes ces morts auraient pu être évitées. Merci de m'avoir aidé. Ah, enchantement, non identifié. À présent, cool, j'aimerais m'assurer que ces bassins de ponte ne pourront plus jamais servir. Attendez. Je ne suis pas votre ennemi. De nombreux régents servent la cour écailleuse. Voilà pourquoi il se passe en son sein des choses qui échappent à mon contrôle. Petite Feuille doit se trouver quelque part sur la route, juste après le passage du Nord-Est. Dites-lui bien que c'est moi qui vous envoie, et elle vous écoute. Parfait. Qui est-ce que j'écoute? Où est-ce qu'il est? C'est fait. Où est-ce qu'il est? Ah. Ça peut être vous très sympa. Du coup. Les épaules. Là, j'aimerais bien enchanter. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Voilà. Quand même mieux. Il faut que j'aille chercher. Ah oui, elle est vachement loin en fait. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est vrai qu'on n'est pas remonté plus haut. Je vous suis, partenaire. Ah non, hein, une fois pas deux. Une fois pas deux. Alors qu'est-ce qu'il y avait là-bas? J'aimerais bien juste retourner un petit peu en arrière, parce qu'on est monté tellement vite. J'aime bien les lieux où il s'est passé quelque chose, même si c'était quelque chose de triste. D'accord, c'est ton choix. Qu'est-ce qu'il y a là-bas en haut? Hey! Salutations. Je te jure que s'ils me disent qu'il n'y a rien du tout... Ah, c'est un donjon! D'accord. Qu'est-ce que tu vends, toi? Voulez-vous voir? Qu'est-ce qu'il vend? D'accord. Sympa, ça. Arène de l'étoile du dragon. D'accord, ok. Donc ça c'est le Hourray de l'Ordre, non? Faudrait que je regarde un jour les succès. Parce que je comprends pas bien le principe de bas et haut, parce que de toute façon il y a que ça. Hein. À moins qu'ils considèrent que tout ce qu'il y a ici, là au-dessus de cette ligne-là, soit le Hourray de l'Ordre. Et puis là t'as le Barré de l'Ordre, c'est possible. Hein. Bon. Une feuille dans le vent. Et du coup, elle est super longue, en fait. Bon, c'est parti. Allons explorer ça. Je suis passé par le nord. Il y a un truc là, ok. Ah, ok, faut que je passe par là, que je fasse tout le tour pour prendre le pont.
On va déjà prendre l'oratoire. Au moins on aura un point où se foutre. Oh, un truc de craft, ça c'est bien ça. Il est loin. Ah. Il va être tout en bas, j'imagine. Soit la vermine de l'apocalypse. Une source de connaissances sous nos pieds et ils s'amusent à tout ravager. Si seulement quelqu'un ici pouvait les arrêter. Oui, attends. Je reviendrai peut-être un jour, mais vu que c'est bleu, ça veut dire qu'il est répétable. Et j'ai horreur de ça. Hein. Alors attends, du tout le pont. Ah, le pont est là. Allez, deux petites secondes. Hop. Est-ce que je dois remettre? Voilà, ce sera plus agréable déjà. Le sommet de Froll. Vous là-bas, vous m'êtes familière. Puis-je vous parler? Oui, je crois qu'on se connaît, Médric. Toi aussi, tu me dis quelque chose. Mais bon, on n'en est pas là pour le moment. J'ai des trucs plus urgents à faire. Tiens, il y a une petite entrée ici aussi. Je sais pas combien il y a 7, donc il me reste 3. Il me reste 6 entrées à faire. Très bien. Alors, c'est quoi ça? J'aime penser que le destin nous met face à l'obscurité parce que nous devons y apporter la lumière. Si tu le dis. Ah oui, effectivement. Voilà. Viens jusqu'ici, puis tu t'en vas. Voilà, toi aussi. Et puis tu t'en vas. Voilà. Voilà. Allez. Donc ça c'est fait. On va voir ça. Le casque me fait mal aux oreilles. Attendez, est-ce que je vous jure que... Voilà, c'est un peu mieux. Ouais, à mon avis, ça va être un peu trop chaud pour continuer. On va reprendre la route. Je pourrais tester les 140, mais je sens qu'au dernier moment, t'en as un 1 800 000 qui va arriver, tu vas voir. Alors, j'arrive pas à me mettre bien. Oh, quelle merde. Voilà, c'est bon. Y'a rien de bien en fait ici. Je sais pas pourquoi je suis passé par là. Ok. L'oratoire, ça c'est parfait. Voilà. Et du coup, il y a une antre qui se trouve juste à côté, c'est ça? Ah bah là là. Dis-moi tout. Ne tentons rien que nous puissions regretter toutes les deux. J'apprécierais votre aide. Et ce que j'ai à vous dire est susceptible de vous intéresser. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Nous devons arrêter les orques de fer. Ils sont en train de monter une armée de trolls. C'est vous mon meilleur plan. Entre mon indéfectible optimisme et votre propension à la violence, nous sommes assurés de gagner. Les orques de fer ont trouvé un moyen de transformer des trolls en une armée. Pour cela... Ok, eh ben le croc du serpent, bah c'est parti. Hein. Je sais pas du tout par où c'est. Ça va être par là, tu vas voir. C'est ça. Allez, tu permets que je fouille un petit peu quand même, histoire de voir s'il n'y a pas un truc intéressant.
un petit coffre là, tout en haut. Ouais, bof quoi. Oh, il rame. Allez, fondation du tac. Ouh, très belle image. Il y en a qui sont vraiment cool dans les images, franchement. Allez, charge un peu parce que... Hein ? Bon, de toute façon, c'est une entre solo, donc j'ai envie de dire, ça va se faire tranquille. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, sur cette zone, ils ont tout foutu dans des antres. Toutes les quêtes principales sont des antres. Je crois que tu peux ton... Ouais, non, on va peut-être pas le faire. Ah, mais je crois que j'ai pas le choix, en fait. Ces orques de fer ne sont vraiment pas drôles. J'espérais sincèrement que la diplomatie marcherait. Ouais, d'accord, j'ai compris. Mais on a tous besoin. Aux armes ! De faire. Voulez-vous bien arrêter d'entraîner ces vilains trolls, s'il vous plaît? Encore cet avorton! Du large! Bon, très bien. Réveillez-vous! Dégagez votre esprit! Eh ben. Ils ont pris leur décision, qu'il en soit ainsi. Exactement. Vous aimez le luth? J'en joue un peu. Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Je crois que c'est pas gentil. De faire un espèce de ménage ici. Où est passé ce crétin ? Je suis pas sûr qu'il y ait un truc intéressant ici, mais j'ai pas besoin de les voir. Nous la victoire. Eh ben il y avait pas grand chose, d'accord. Oh bah attends, prends le. D'accord. Bougez !
Alias 5 pièces. À l'attaque! Bla. Tranquillement en train de prendre leur pause là. Et je suis en train de tout péter. Très bien. Alors, c'est qui le boss maintenant? Hein? C'est qui le boss? Si seulement il y avait une autre façon de faire. Pauvre entêté d'Iltag. Il aurait dû accepter l'or. Bonne objection. Où avais-je la tête? Il faudra aller plus loin pour disperser l'armée des trolls. Je dois aussi parler au scribe runique Kult, à l'armurière Otik. Voir à l'exarque Braadot. Hélas, je sais bien que vous avez raison, mais cela ne rend pas la tâche plus aisée pour autant. Toutefois, j'ai une mission, et je la mènerai à bien, par la raison ou par la... La vallée des cicatrices. Oui, l'endroit est fidèle à ce que son nom promet. C'est au nord, vous ne pouvez pas la rater. Je vous retrouve sur place. L'exarque Braadot est le chef des orques de fer. Ok, d'accord, très bien. Et c'est où la vallée des cicatrices? Juste là? Eh ben c'est fantastique. Ça fait combien de temps? On va peut-être s'arrêter ici. Je sais pas, j'attends peut-être pas. Si, ça fait, je sais même plus ça fait combien de temps que j'ai commencé la vidéo. Oh, c'est un scandale. Du coup, par doute, on va continuer un peu. Allez hop, ça me gonfle de faire des allers-retours pour rien. Ok, eh ben voilà. Je sais même plus ça fait combien de temps que j'ai commencé la vidéo là, c'est un scandale ce genre de truc. Je sais plus. Je ne sais vraiment plus. On va encore faire 5-10 minutes au cas où. Allez, charge. C'est un de jeu, charge. Allez, on va voir ça. Que vous êtes ici, vous êtes gentil. Je le sais parce que je sais jauger les gens. C'est cool. Mais il faut que j'aille tuer des gens, donc tu me permets 2 secondes. Équiper leur armée de trolls. Allons-y! On a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Exactement. D'inventaire encore. Ouh, mais la place commence à être assez limitée, dis donc. Allez, allons tuer l'autre.
Ils sont pas dedans, hein. Ah si. Voilà. Bon. Ah bah du coup, là maintenant, on va s'arrêter, au cas où. Je vous dis à la prochaine, n'oublie pas le petit j'aime, petit commentaire, merci de vous regarder, et à plus tout le monde, c'était Nero, salut.